Hey yo les potes, c'est Ekar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des filles. On va utiliser des écrouets, des boulons les gars. Et vous allez voir qu'en fait il y a pas mal de PNJ sur le jeu, en tout cas qui vous vendent rapidement des écrous et des boulons. Mais moi je connais un emplacement où je suis certain qu'il n'y aura jamais personne et que vous ne serez jamais embêtés les gars. Oui, parce qu'il y a plusieurs PNJ mais ils sont généralement bien exposés. Il y en a un seul qui est à l'autre bout de la map, qui est isolé et qui vend des écrous, des boulons. Et je vais vous montrer du coup l'emplacement aujourd'hui pour le faire facilement. En tout cas les gars, si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous aide, n'hésitez pas à la liker, à mettre du coup un petit abonnement à la chaîne YouTube. Et vous pouvez peut-être passer aussi en notification d'abonnement en pleine vidéo. Et les gars aussi, n'hésitez pas à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique pour nous aider et nous soutenir les gars, ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, code créateur Bokuni, B-O-K-U-N-I. N'oubliez pas également les potos qu'actuellement on vous offre le pack sable doré qu'il y a dans la boutique Fortnite. Du coup avec le skin Midas Vacancier, il suffit d'aller dans le Discord qu'il y a dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Il suffit d'aller dans la catégorie cadeau giveaway, giveaway 2. Et il suffit, regardez en bas, il y a juste une émoticône, vous avez juste à cliquer dessus les gars et vous êtes entrés dans le giveaway. Voilà les gars. Donc en tout cas les potos, si vous aimez bien, on va refaire ça plus souvent et j'espère qu'en tout cas ça vous fait kiffer. En tout cas let's go les gars, je vais vous montrer directement les emplacements. Alors les gars, pour l'emplacement, je viens d'atterrir. Donc il faudra aller à côté de la pisteuse des marais. Donc voilà le PNJ qui se trouve juste à côté de Slurpy Swamp. Donc à cet endroit exact, donc voilà juste à gauche, il y a du coup l'antenne radar et à droite du coup on a les bâtiments d'hydrocèse etc. Donc voilà, juste à cet endroit là les gars, il va falloir aller parler à la pisteuse des marais. Alors déjà vous pouvez récupérer des armes, donc là elle bloque le chemin forcément. Mais normalement il y a un coffre juste ici, vous pouvez récupérer des armes. Et normalement juste en bas il devrait y avoir du loot. Bon, moi il s'avère que j'ai vraiment pas eu de bol, du coup j'ai dû chercher du loot à côté. Mais normalement voilà, il y a toujours du loot ici les gars, il y aura pas de problème. Alors là vous parlez à la pisteuse des marais et vous lui achetez du coup tous les écrous et boulons. Alors normalement il vous suffit que de 3 boulons. Moi honnêtement je vais tout prendre parce que je vais pas m'embêter. Et en plus il y a un défi du coup, acheter des boulons et des écrous. Donc de toute façon ça vous fera des défis supplémentaires. Alors après vous allez dans votre inventaire et vous allez du coup utiliser les écrous et les boulons en fabriquant de nouveaux objets, ok? Donc là par exemple je me suis déjà avancé et là le défi est à 2 sur 3. Du coup il reste plus qu'une fabrication à faire et du coup le défi sera validé les gars. Et voilà, 3 sur 3. Alors, les poteaux aussi, je vais vous donner d'autres indications. C'est que si la pisteuse des marais, il y a du monde, ce qui m'étonnerait fort parce qu'il n'y a jamais personne généralement. Vous pouvez également aller juste ici à côté de Weeping Wood. Vous pourrez trouver le PNJ Eric qui vend lui aussi des écrous et des boulons. Et voilà, donc les poteaux, si vous n'avez pas eu la bonne solution avec du coup la pisteuse des marais, il y aura toujours la solution avec Rick. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et les gars du coup n'oubliez pas le code créateur Bokuni. Voilà, merci vraiment à tous ceux qui le mettront parce que c'est une force de soutien énorme. Et voilà, merci à tous ceux qui le mettront, même si vous le mettez pas énormément de temps. Vraiment merci à vous, vous êtes géniaux. Allez, sur ce let's go les gars, c'était Ekar. Portez-vous bien et puis c'est tout, à la prochaine.